acteur au même titre que tout le monde. Donc, je laisserai bien entendu toujours le président de sous-section le faire, mais je crois qu'il était juste important de souligner qu'à la base, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques jours. Et il a souhaité que l'on fasse front commun pour pouvoir éventuellement, d'une certaine manière, soutenir les initiatives de personnes jeunes telles que lui. Parce que je crois qu'il a eu l'opportunité d'être président d'une sous-section qui est importante et très peu de jeunes ont cette... on va dire cette opportunité-là, donc je crois que c'est dans ce sens que je suis venu pour soutenir cette initiative. Et rien de plus, parce que je crois que je ne souhaite pas intervenir d'un point de vue politique, parce que politiquement, j'ai un devoir de réserve que je vais... que vous comprenez sans doute très bien. Il est clair que je vais juste essayer d'une certaine manière de soutenir un certain nombre de choses et d'orientations qui vont dans, je pense, le bon sens. Mais au-delà, je ne me prononce pas sur les positions politiques. Je crois que de toute façon, je crois que les choses sont claires et doivent rester claires. Ça veut dire que nous avons bien entendu, dans les statuts du parti, les choses qui sont bien définies. Nous avons ce que l'on appelle le leader naturel du parti, qui reste le même de toute manière. Et il est important que l'on ne brouille absolument pas le message. Donc, je crois qu'il nous faut pouvoir rester dans son sillage et puis l'accompagner du mieux que l'on peut. C'est ce qu'on essaye de faire. Et même si on ne se prononce pas d'un point de vue politique, on essaie quand même de soutenir, je pense, des initiatives pour en sens tout le monde dans la bonne direction. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur le sujet. Donc, je vais laisser le président de la sous-section continuer son discours. Et que je reprends en tant que président.